Father, right now, we are not standing in our grace, but we are standing in your might. That you speak through us and bring full meaning through your word. Yes, and edify us, correct us, reprove us, and bless us. Yes, and we take supernatural control over this atmosphere. Yeah. That your power and your anointing will prevail over every contrary spirit. Amen. May you alone reign in this place. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. So happy to be in his presence. And to see beautiful men and women of God. Hallelujah. David said how pleasant it is to even be a footmat at the door of God's house. David nous a dit comment il est vraiment important d'être dans la maison de notre Dieu. Amen. Amen. I would like to share with us a message. Partager avec nous un message ou un mystère. To confirm that the Spirit is always one. Pour vous confirmer que l'Esprit est toujours un. You are a very big gossip this morning. Tu as fait un très grand travail supernatural. But spiritual gossip. Mais vraiment une critique spirituelle. That's the kind of gossip that only the Holy Spirit can. Yes, et ce genre de critique, c'est le Saint-Esprit seul qui peut. It cannot be turned by the power of man. Cela ne peut pas être fait par le pouvoir d'un être humain. So our message will be taken from the book of Isaiah chapter 6. Notre message sera dans le livre d'Isaïe chapitre 6. From verse 1 to 13, that's our main text for today. Tout le chapitre du verset 1 jusqu'à 13. Hallelujah. Amen. I will just thank you. I would like us to pay very keen attention in the reading. Nous devons faire attention quand est-ce qu'on prend de lire l'évangile. Just follow because we are going to pick every point out here to bless ourselves. Je demande à tout le monde de suivre ça parce que nous allons parler presque de tout le chapitre. Isaiah chapter 6, from verse 1 to 13, I read. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. And the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had six wings. With two he covered his face. With two he covered his feet. And with two he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin is purged. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? You can see the gossip. Whom shall I send? Vous pouvez voir un peu les critiques. Whom shall I send? She said, I have to take a pause. She said at the beginning of the year, the pastor said we should all go back and review our talents. And now she asks at this time of the year, which is October, how have you been using that talent everywhere you go? Et comme elle a dit, je vais mettre une pause pour pouvoir mieux vous expliquer. Elle a dit au début de l'année, le pasteur a dit que nous devons prier Dieu pour qu'il puisse nous révéler nos talents et utiliser nos talents pour pouvoir faire son œuvre. And God is asking the great prophet, whom shall I send? Et aujourd'hui, elle nous demande, est-ce que nous avons pu accomplir ce que le pasteur a dit? And who will go for us? Et le Seigneur nous dit, qui est-ce que je vais envoyer? Et nous demande, qui va aller pour nous? Then I said, here am I. Send me. Hallelujah. And he said, go and tell these people. Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Make the heart of these people dull. When you refuse to learn, God will harden you, not Satan. And their ears heavy. Lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and return and be healed.
Then I said, Lord, how long? Follow your Bible. And he answered, until the cities are laid waste and without inhabitants. The houses are without a man. The land is utterly desolate. The Lord has removed men far away. And the forsaken places are many in the midst of the land. But yet, a death will be in it. I will return and be for consuming. As a terebinth tree or as an oak, whose stump remains when it is cut down, so the holy seed shall be its stump. Say amen to the word of God. Amen. Hallelujah. Amen. That is a whole package. C'est un paquet complet. From the great prophet Isaiah. Du grand prophète Isaïe. The Lord called him to serve as a prophet. Et le Dieu, un autre Dieu, l'a appelé comme un prophète. Then he responded to him with a powerful vision. Et il a répondu à notre Seigneur avec une très grande vision. This vision took place at the beginning of Isaiah's ministry. Et cette vision a pris place au commencement du ministère d'Isaïe. The same year where King Uzziah died, like we just read. Et la même année où le roi Uzziah est mort. And in this vision, Isaiah saw the Lord clear. On the throne in his temple. Et dans cette vision, Isaïe a vu notre Seigneur de manière claire sur son temple. And in this vision, et dans cette vision, God also drew him close to his unworthiness. Et Dieu aussi l'a rapproché très près de lui. That you are also dirty, just like the people que that I want to destroy right now. Que tu es aussi plus, tu es aussi sale comme ce peuple que je vais détruire maintenant. Right. You have to prepare yourself because you can't go dirty to them. Parce que tu dois aussi préparer ton, tu dois aussi te préparer parce que tu ne peux pas aller tel que tu es vers eux. It goes back to the message from the prayer. Et cela retourne au message pendant la prière. God is not looking for qualified men and women. Dieu ne regarde pas des personnes qui sont qualifiées pour He needs them unqualified that are ready, then he will qualify them. Il a besoin de ces personnes qui ne sont pas qualifiées mais qui sont prêts à pouvoir faire son œuvre que lui il va qualifier. Could you ever imagine in your small imagination that a prophet could have sin and unworthiness in him? Est-ce que vous pouvez imaginer un peu dans votre pensée que un prophète puisse voir une place sainte ou la sainteté? I believe from your knowledge of prophet, if you see a prophet, you will just be trembling. God has come in another form. Et je comprends aussi dans votre compréhension humaine que si vous voyez un prophète, vous allez commencer à trembler pour dire Dieu est venu d'une manière prophétique. And in our knowledge of the scripture, prophets are not like pastors. Et dans notre connaissance de la Bible, les prophètes n'ont rien à voir avec les pasteurs. You know, pastors are very compassionate, very humble, very kind, gentle. Even when God wants to kill you, they will say, no, God doesn't really mean to kill you. He just wants you to chill. So be very nice in coding the message. Vous savez que les pasteurs sont très humbles, sont très passionnés, sont très vraiment aimants, ils sont plus humains. Même quand Dieu va les dire qu'il veut te tuer, ils vont venir te dire non, que Dieu veut te punir. But if it is a prophet, mais si c'est un prophète, he will come to you, il va venir vers toi, like in Isaiah 38:5. De la même manière, Isaiah 38:5. Dans la, comme dans le chapitre d'Ésaïe 31. This same Isaiah, ce même Isaïe, God used him. Dieu l'a utilisé. He said, go to the house of Hezekiah. Il dit, va dans la maison d'Ézéchiel. Don't tell him that I am like I want to kill him. Tell him I will kill him. Ne lui dis pas que j'ai envie de le tuer, mais dis-lui que je veux le tuer. Tell him this sickness is going to die. Dis-lui que cette maladie dans laquelle il se trouve. Tell him to put his house in order. Dis-lui de mettre sa maison. Because death is at the door. Parce que la mort arrive à la porte. Your pastor will say, you see, if you don't change, God can kill you. You see. Use this season to do something, no? Prophets are not like that. Ton pasteur va certainement te dire, si tu ne changes pas, Dieu va certainement te tuer. Faut faire ça. Mais les prophètes, ils viennent, ils disent textuellement la manière de... And prophets are not for this truth and their persecution. They don't care. God sent them. Et les prophètes sont connus par leur manière violente de parler, leur manière crue de parler, et c'est ainsi qu'ils sont très persécutés aussi. And he brought that message to Hezekiah. Et il a envoyé ce message à Ezekiel. If it is you, where is that merciful God? Where is that nature? I know him as a good and merciful God. What's that? Si tu étais à la place d'Ézéchiel, tu allais te dire, mais où est ce Dieu miséricordieux que je connais? The message goes back to what she was saying. Et ce, listen. Ce message retourne à ce qu'elle est en train de dire. Hezekiah, Ézéchiel, escaped that dangerous prophecy from the mouth of God because of his good works. Hello, Ézéchiel, he escaped
That dangerous prophecy. Il a échappé. Because why? He got strong reasons how he used his gifts and talents to serve the Lord. She used talkers. Yeah. I didn't talk with her. Ézéchiel a utilisé ce qu'il a fait, son travail qu'il a fait dans la maison de Dieu pour pouvoir échapper la mort que Dieu avait prophétisée sur sa vie de la même when manière. When the whole prophecy of death came, the Bible says he faced the world. He didn't look for any man. Et on a dit, la Bible nous dit que quand cette prophétie est arrivée à lui, il a fixé le mur, il n'a pas regardé un homme. When you do nothing for God, God will come, you will look for people, you will look for Satan. Quand tu ne fais rien pour la maison de Dieu et que problème arrive dans ta vie, tu vas commencer à chercher les êtres. Because there is nothing to present as a strong reason back to your God. Parce que to deliver you. Parce qu'il n'y a rien comme une raison que tu peux utiliser pour présenter à ton Dieu. You will want to use the works of the pastor because it's your pastor now to help you. Tu veux maintenant utiliser la parole de ton pasteur parce que c'est ton pasteur pour pouvoir t'aider. You will say, God, my pastor has been in the kingdom now, season and out of season. And you? Tu vas dire, mais Seigneur, mon pasteur était dans ton ministère, tantôt de travailler pour toi, tout. Mais Dieu va te demander, mais et toi, qu'est-ce que tu as fait? So your pastor was working and you were outside. Donc ton pasteur était en train de parler, toi tu étais en dehors. And when trouble comes, you want to use the words of your pastor to get saved and salvation. Mais quand les difficultés vont venir, tu peux utiliser la prédication de ton pasteur pour pouvoir retrouver le salut. The title of our message. Le titre de notre message aujourd'hui. Here I am. Ici je suis. Send me, Lord. Envoie-moi, Seigneur. Amen. Pastor, answer his own call. Exactly. I got a call. What is your call? Le pasteur a accepté son appel. Mais toi, quel est ton appel? Est-ce que tu as accepté ton appel? You want to use pastor call and die? Tu veux utiliser l'appel du pasteur pour mourir? What is it? Quel est cela? Hallelujah. Amen. And when Hezekiah faced the wall, quand Ézéchiel a fixé le mur, that was a time one on one with God, the time of remembrance. Remember me, O God. C'était le moment où il a fait un face à face avec Dieu en disant, Seigneur, rappelle-toi de moi, rappelle-toi de mes œuvres, rappelle-toi de ce que j'ai fait. Look at the way I served. Regarde la manière dont even in hunger, même dans la faim, even when I was persecuted, même quand j'étais persécuté, with nothing, je n'avais rien. The people spat at me. Les gens m'ont craché. With my leg, ils m'ont mis no car, sans voiture, no bicycle, sans no help, sans rien. But I served. Mais je t'ai servi. Will you abandon me this time? Tu vas m'abandonner when I needed you? Là où j'ai besoin de toi. Then God opened the book of remembrance. Et Dieu ouvrait maintenant le livre du Rappel. And he called again the dangerous prophet Isaiah. Et maintenant il est retourné encore dans la, il est retourné encore. He said go back. Et il a dit Isaïe, retourne encore parce que. Go back. Retourne encore. Tell Ezekiah. Dis à Ézéchiel. I heard his prayers. J'ai entendu sa prière. They were not empty prayers. C'était pas des prières vaines. They were prayers with strong reasons. Il y a des prières avec de grandes. Right now. Maintenant, as the judgment of heaven, comme le juge, I pass another decree. Je remets encore un autre décret. That he will not die. Qui ne va pas mourir. I'm adding on to him. Je lui ajoute encore 15 more years. Can somebody give God praise? Be watchful the way you serve him. It is the same way he will return back to you in the day of tribulation. Quand tu te rends compte de le servir dans la sincérité, c'est de cette même manière qu'il va aussi retourner ce service que tu lui as. God does not accept bribe and corruption. Dieu n'accepte pas l'orgueil. Bribe, corruption. Dieu n'accepte pas l'orgueil et la corruption. If you belong to the government of this world, I guarantee you, your money will save you in the day of trouble. Si tu appartiens au gouvernement de ce monde, je te garantis que ton argent va te ramener. Particularly the government of Africa, money must deliver you. Spécialement dans le gouvernement africain, l'argent va certainement te délivrer. But the government of heaven, mais le gouvernement des cieux, judge you by your works, your holiness and your te juge selon ton travail et ta sainteté. Yes. Hallelujah. Amen. When this vision came, it pained Isaiah and said, ah. So myself, I'm not really prepared. Quand cette vision est arrivée, cela a vraiment appelé à Isaïe et il a dit, mais non, je ne suis pas encore prêt. God exposed him his weaknesses. Dieu a exposé ses faiblesses. And told him, fix up yourself now. Et lui a dit, il faut que tu arranges, tu t'arranges. Because the kind of mission I want to send you. Parce que ce genre de vision où je veux t'envoyer. You yourself, you are not proper. Si, it will consume you. Si toi-même tu n'es pas prêt, tu n'es pas pur, cela va te tuer.
it comes back that first lesson this today. La première leçon aujourd'hui. We can never be perfect. On ne sera jamais parfait. But a willing and a ready heart God will use. Mais absolument. Une volonté et un cœur qui est prêt, c'est ce que Dieu utilise. It is God that will fix you and I, and not we ourselves. C'est Dieu qui va nous fixer, c'est Dieu qui va nous mettre en ordre, vous et moi, mais c'est pas nous-mêmes qu'on va se mettre en ordre. Stop running away and think that you can fix yourself. Arrête de courir à gauche à droite en pensant que tu peux t'ordonner, tu peux toi-même. Come to me the way you are. Viens à lui tel. And I will make you. Et lui il va te faire. We can't make ourselves. On ne peut pas se faire nous-mêmes. Even the word we claim to be righteous, God calls it as a filthy rag. Isaiah thought already he was a strong prophet, but God beat him down. Même ces prophètes, ces personnes que nous appelons des personnes qui sont justes, Isaïe lui-même qui était, que nous en tant qu'êtres humains, on voyait comme juste, Dieu lui a montré ses faiblesses pour lui dire que tu n'es pas juste, tu es juste. If God humble you, your life will never be the same. Si Dieu t'humilie, ta vie ne sera jamais la même. He humbled the prophet. Il a humilié le prophète. And that humility. Et cette humilité pushed the prophet. A poussé le prophète to really say. De dire de manière volontaire. Without even calculating, where do you want to send me? How is the place looking like? Yes, I will go. Sans même calculer. Voluntarily. Sans même analyser où est-ce que Dieu tu veux m'envoyer, comment la place est, où et tout. De la manière dont Dieu lui a humilié et lui a montré ses faiblesses, c'est de manière volontaire qu'il a dit oui, je suis prêt, je veux partir. But because we have made ourselves, you know what? Parce que nous-mêmes on s'est fait nous-mêmes. If God is calling us, He's calling right now. Si Dieu nous appelle comme il appelle maintenant, you are still checking and saying no, it's not yet time because you know my house is not in order. God, you self understand now. Si Dieu nous appelle maintenant, tu vas dire mais ma maison n'est pas encore en ordre. Dieu, comme il faut voir, regarde un peu ma vie. You have to understand that there is a kind of job I want to place myself in. So when I take up this mission, you said you will see fire, God. Understand this thing? Tu vas toi-même regarder, il y a une position de travail que je vais avoir d'abord. Quand je vais avoir cette position, que je vais commencer ton Dieu. Toi-même, tu es dans les yeux, tu vas voir le feu qui sort. With our carnal eyes, avec nos yeux, we are looking for a certain comfort before we answer yes. Avec nos yeux charnels, nous voulons avoir certain confort avant de pouvoir dire. But I come this morning to tell you that God is calling you the way you are. He will qualify you and give you everything you need for that assignment. Amen. Et je suis venu aujourd'hui pour te dire, frères et sœurs, que Dieu te veut tel que tu es. C'est lui qui va te qualifier pour pouvoir faire la mission pour laquelle il veut ton. So of course, we want to finish to make our family so that we close those. I don't want the seven children. Now God, help me, send me Lord, I will go. Certains d'entre nous veulent finir d'abord ce qu'ils ont à faire eux-mêmes dans leur vie, faire leurs enfants, faire leur travail, finir tout et puis viens maintenant vers Dieu pour dire, Seigneur, maintenant je suis prêt. Abraham was in the midst of nowhere. Abraham était dans un milieu de n'importe où. And he said, come. Et Dieu lui a dit, viens. To where? Viens où? To a land that he doesn't even know. Il lui a dit, viens et va dans un pays où il ne connaissait pas. A man whose family was shaking, no child, nothing, confusion, stress everywhere. Un homme qui n'avait rien, qui n'avait pas d'enfant, qui avait une famille vraiment en difficulté. The ways of God are not the ways of men. Et comme nous le savons, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. As the heavens are higher above the earth. De la même manière que les cieux sont plus hauts que la terre. So his ways are higher than our ways. C'est de cette même manière que ses voies sont plus larges, plus grandes que nos voies. That is how Abraham left. Et c'est comme ça que Abraham a quitté sa famille. You are complaining of your inability, your ineloquency. Tu fais des plaintes concernant ton inhabilité et ta manière de faire. We have many examples. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Moses was not eloquent. Même Moïse n'était pas aussi. How can you send an ineloquent man to a great and mighty king to stand before him? Comment tu peux envoyer un homme qui n'était pas élégant, qui ne pouvait pas parler devant un très grand roi? Why is God always interested in those that are not qualified? They don't look like it. Pourquoi est-ce que Dieu est intéressé sur ces personnes qui ne sont pas qualifiées, ces personnes qu'on peut qualifier des personnes d'héros? To prove himself as God. Afin de pouvoir nous prouver et de prouver lui-même qu'il est Dieu. Because if he picks all the scribes, the intelligent men of cutting and caliber, definitely their title already fit into that thing. Then where is the place for God? Parce que si Dieu prend des personnes qui sont déjà qualifiées, des personnes qui sont déjà grandes, qui ont des grands titres pour pouvoir se faire son œuvre, les gens vont certainement dire que ces personnes-là sont déjà prêtes. Et où est maintenant la gloire de Dieu pour cela? To challenge you. Alors pour nous défier, you are in a better position to say yes, Lord. Tu es maintenant à une bonne position pour pouvoir dire oui, Seigneur, je suis prêt.
Have you checked David? Est-ce que tu as regardé un peu la vie de David? The same way God rebuked Isaiah is the same way he rebuked David. De la même manière que Dieu aussi a humilié Isaïe, c'est de la même manière qu'il a humilié aussi David. Could you believe that a king will see somebody's wife? Could you Est-ce que vous pouvez comprendre que un roi peut voir avoir la femme de quelqu'un? One of the greatest kings of Israel. L'un des plus grands rois d'Israël. God humbled him. Dieu l'a humilié. There is always something in us that God will humble. Il y a toujours des choses en nous que Dieu va utiliser pour nous humilier. Hallelujah. Amen. There is something in us that God will humble us to use us. Il y a des choses en nous que Dieu va utiliser pour nous humilier. Il va utiliser cela pour sa gloire. He's not interested in your sins, your mistakes, and your mess. What he needs is the passion, the hunger, and the readiness to say, Lord, I can't. Help me. Il n'est pas intéressé à tes problèmes, tes difficultés ou à ton inhabilité, mais il est intéressé à ton oui, je suis prêt, Seigneur, je veux faire ton œuvre. We have to stop limiting ourselves. Et nous devons arrêter de nous limiter. We are limiting ourselves. Nous nous limitons trop. And the danger in this limitation is what I will share with us before we leave here. Et ce danger dans cette limitation, c'est ce qu'on va utiliser avant de pouvoir. In Isaiah 6:8, that is where our message is coming from. He said, "Here I am, send me, Lord. I will go." That is the send and the go command of God. Dans le livre d'Isaïe 6, le verset 8, c'est là que se trouve notre message où il a dit, "Oui, là je suis, Seigneur, envoie-moi, je vais partir." Our ears open to hear when He calls. Nos oreilles sont ouvertes pour pouvoir entendre nos appels. Nous avons prayer entendu. Line, church, how to hear the voice of God. But the year is ending like this. I don't know if we have heard one thing that God is saying. Nous connaissons maintenant nos points de prière. Nos points de prière, c'est Seigneur, ici je suis prêt pour pouvoir faire ton œuvre. Mais nous avons entendu aussi que l'année est en train de finir et je ne sais pas ce que nous avons pu faire encore dans la maison de Dieu jusqu'à aujourd'hui. He challenged the prophet, whom shall I send? And who will go for us? Il a défié le prophète, qu'est-ce que je vais envoyer? Puis qui ira pour nous? So if you look yourself at God, my sister, the way I'm dating your bed, check Mama Rosine, me, I know the deal. Et moi, je peux me regarder pour dire, ah Seigneur, si tu m'appelles, moi, vraiment, je ne suis pas encore très prête, mais regarde la sœur Rosine. Like she said that she could not answer the question, then she would say, God, I beg you, I trust Sister Gladys. Me too here, I'm having Kelek. Et c'est comme ça, on peut toujours, on vient devant Dieu pour dire, non Seigneur, je ne suis pas prête, peut-être va chez la sœur Julie, tu peux elle l'envoyer. With the hand of Jesus, that is exactly what it is. Everybody shifts the responsibility round and round. Hallelujah! Amen. That is exactly what it is. Et c'est comme ça, cela se passe tout le temps dans la maison de Dieu. Even when Isaiah did not understand properly what was the assignment, what he would do and where he would go, he humbly, voluntarily gave God an open check and said, yes. Même quand Isaiah n'a pas compris l'envoi de Dieu pour sa mission, le but pour lequel Dieu l'a envoyé, de manière humble, il est venu devant Dieu et lui a dit, Seigneur, je suis prêt, je veux partir. That was an act of humility and the readiness to complete God's assignment in his life. Et ça, c'est un acte d'humilité et d'être prêt pour pouvoir accomplir la mission de Dieu pour sa vie. And that is absolutely different to you and I, just the way we have demonstrated it. Et ça, c'est vraiment différent de notre vie d'aujourd'hui, de la manière dont nous venons de démontrer cela. Who will I send? Qui est-ce que je vais envoyer? Who will say, here am I, Lord? Qui va dire, oui, je suis là, Seigneur? Send me. Envoie-moi. Or we want to do like the disciples. Ou bien nous voulons faire comme les disciples. When Jesus said, follow me. Quand Jésus a dit, suivez-moi. And this one said, Master, my mother just died. I want to go and bury her. I beg, go with this for I'm coming. Ou d'autres ont dit, oh Seigneur, tu sais, ma mère vient de mourir. Je vais aller l'enterrer d'abord. Commence déjà avec ce. My sister Claire, you said, God, I beg, oh, my wedding is just next week. Let me finish this wedding thing. Go with the rest. Mama Rosine, Sister Julie is there. When I finish my wedding, I will join you people on the way. Comme la sœur Jalie va dire, Seigneur, tu sais, mon mariage, c'est pour la semaine prochaine. Je vais m'occuper de ça d'abord. Va avec Maman Rosine et puis la sœur Julie. I said, do we want to give excuses to God until the world will end in our excuses? Est-ce que nous voulons vraiment continuer à donner des excuses à Dieu jusqu'à ce que le monde finisse dans nos excuses? This is my message she preached through the prayer line. Ça, c'est mon message qu'elle a donné dans la prière pour nous remarquer. And every time we give God an excuse to answer the call, yes,
In his mercy, he will allow you to do what you want to do. Et à chaque fois que nous allons donner des excuses à Dieu pour pouvoir dire oui, dans sa miséricorde, il va toujours nous permettre cela. And when he leaves us, we are going to stumble and fall right to the bottomless pit. Then we will realize, because there is a place where the prodigal son said, ah, I think it's time to go back to my father. Et quand il va nous permettre cela, et que Dieu va nous enlever sa main sur nous, nous allons continuer à commencer maintenant à avoir des difficultés, à tomber, à échouer dans tout jusqu'à ce que nous revenons vers lui comme le fils prodigue. Until the Holy Spirit will bring to your remembrance, you are on the wrong track, go back. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit emmène cela dans ton souvenir en te disant que tu es sur le mauvais chemin. This takes some people 20 years, 15 years in their life, 50 years, wasted time. Il y a des personnes qui vont vraiment perdre 20 ans, 30 ans, même 50 ans dans leur vie pour pouvoir tourner en rond. Just to answer yes to God for the gift, the talents and the callings he has given. Juste pour pouvoir dire oui à Dieu pour le don qu'il t'a donné en fait de pouvoir faire son œuvre. This has to be a voluntary commitment. Pastor should not force you. Ça doit être maintenant un devoir de manière volontaire. Et le pasteur ne peut pas forcer qui que ce soit à le faire. That's why I say they are very soft. If it's a prophet, you will run out of this place. C'est pourquoi je dis que les pasteurs sont vraiment miséricordes. Parce que si c'était des prophètes, vous allez fuir tout de suite. They will give you hot, hot. Ils vont vous donner de manière crue. Yeah. Even the beautiful messages we receive, we still say, why will pastor preach to me like that? Why will he talk to me like that? Have you heard the prophet talking to you? Même un bon message que le pasteur va venir prêcher ici, tu vas commencer à te plaindre, tu dis, mais comment le pasteur peut prêcher de cette manière, me parler de cette manière? Est-ce que vous avez déjà entendu un prophète prêcher? You know, sometimes we are not exposed to the truth of the word of God. So it makes us lazy and callous. Très souvent, nous ne sommes pas exposés à la parole de Dieu et à la cruauté de la parole de Dieu, ce qui fait que nous pensons que nous sommes vraiment au-dessus de toutes choses. What betide us? God started to tell Isaiah, these people, not my people. You see the change of language. He addressed them, these people, no longer my people or my children. That is a dangerous address. Et quand Dieu a envoyé Esaïe pour aller parler, pour pouvoir parler au peuple, il n'a pas dit ce peuple ou même mon peuple, il n'a pas dit mon peuple. Mais when God changes to call you my daughter, my son, and he call you that one or this one, the love of the father is going back. Quand Dieu commence à changer la manière dont il t'appelle, le titre qu'il te donne maintenant te disant tu n'es plus ton enfant, mais disant cette personne ou ce peuple, ça devient dangereux. What kindles the wrath of God? Qu'est-ce que peut donner cette cruauté à Dieu? The wrath of God, the anger of God. Cette cruauté, la colère. He told Isaiah. Il a dit à Isaïe. These people got all the opportunity and the time to hear my word. Ce peuple a eu toute l'opportunité pour pouvoir écouter ma parole. I love them with such a great love. Je les aime d'un amour très grand. I rebuke them when it was time to rebuke them. Je les ai corrigés quand je devais les corriger. I forgive them when it was time to forgive them. Et je les ai pardonnés aussi quand je devais. I heal them when they were sick. Je les ai même guéris. And yet, et maintenant, these people's hearts are far away from me. Leur cœur est très loin de moi. Right now, maintenant, I'm sending you. Je t'envoie as the prophet of doom. Comme le prophète, because I will send them on exile. Parce que je vais les envoyer très loin de moi. An exile. Je vais les envoyer en exil. No man will be found in their houses, the wrath of God. Et personne n'aura miséricorde d'eux au devant. The cities will be desolate. Et là où ils seront, ça sera une désolation. And in this exile. Et dans cet exil. Many will die. Beaucoup vont mourir. They will not return. Ils vont pas retourner. But. Mais. A remnant. A little few. Juste le noyau will come back. Ils vont revenir. And build the cities. Et ils vont revenir. Who are the little few? Que sont ceux qui sont ce noyau qui vont revenir? Those little faithful ones. Yes. Who hear the word? Ceux-là même qui écoutent la parole, ceux-là même qui ont encore la crainte de Dieu. And believe it. Qui croient encore. That is why you see even in the church. C'est pourquoi vous voyez même dans l'église. When the church comes to a place where the enemy uses the same members to break the house of God. C'est pourquoi vous voyez dans l'église quand l'église arrive à un certain moment où l'ennemi utilise les mêmes. There are always the remnants, the little few. Il y a toujours le reste. That God will hold back. Le ce reste à que Dieu va envoyer vers to lui. To build the broken walls. Pour construire là où tout a été détruit. There is always a remnant in Israel. Il y a toujours un reste à Israël. And my message today is that may you be the remnant. Et mon message aujourd'hui c'est que tu sois ce reste là.
The ones that come back to God. Ceux-là qui reviennent à Dieu. Not the ones that go to exile and get lost. Pas ceux qui vont en exil et qui se perdent. Hallelujah. Amen. The remnant, they come back and they say, yes, Lord, where can I build? Where did it scatter? Where can I help? Where can I construct? Le reste qui revient vers Dieu lui dit, mais oui, Seigneur, ici tout est détruit. Où est-ce que je peux commencer? Où est-ce que je peux faire? Quelle est l'œuvre que je peux apporter pour la construction de ta God was so angry to destroy Judah. Dieu était trop en colère pour pouvoir détruire Judas. Judas heard the word. Judas écoutait la parole. In purity and truth. Ils ont entendu la parole de manière pure. But they hardened their hearts. Mais ils ont durci leur cœur. And when God got angry, et quand Dieu s'est mis en colère, He helped them to harden their heart for destruction. That's how God works. Il les a encore endurci le cœur pour pouvoir tout détruire. He did that to Pharaoh. Il a fait pareil à Pharaon. He gave Pharaoh all the opportunity and chance to let Israel go. Il a donné toute la chance et l'opportunité à Pharaon de laisser Israël partir. But when he proved arrogant and dumb, God used another means. Et quand Pharaon a commencé à utiliser l'arrogance et a commencé à être sous, Dieu a utilisé autre chose. Let us know that God is merciful and His nature is loving. Nous devons savoir que Dieu est miséricordieux et aussi sa nature c'est l'amour. But one thing that God does not condone. Mais il y a une chose que Dieu n'accepte pas. When we take His word for granted. Quand nous ne prenons pas sa parole au sérieux. And we miss the opportunity for salvation. Et nous perdons l'opportunité du salut. God will come back with wrath. Dieu revient dans une colère, une rage. But I pray today. Et nous, je prie aujourd'hui. That may you be the one that will say yes, Lord, even in your weakness. Que tu sois celui-là qui va dire oui. Be the one that will say yes, Lord, even in your sins. Sois celui-là qui va dire oui à Dieu même dans tes péchés. Be the one that will say yes, Lord, even in your sickness. Même sois celui-là qui va dire oui à Dieu même dans ta maladie. God will raise you. Dieu va te lever. He will make you. Il va te faire. And He will use you. Et il va t'utiliser. Praise the Lord, somebody. Amen.